Bonsoir à tous, c'est Robert87000, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat-revente aujourd'hui, vu que il y a tout simplement la community Clash. Hop, je vais vous remontrer ça rapidement. Donc la community Clash, qu'est-ce que c'est? C'est une compétition en ligne. Et vu que la note max de l'équipe est de 3,5 étoiles, ce que font les gens, c'est de prendre, hein, comme je vous ai même regardé, hein, vous pouvez regarder ma vidéo précédente, c'est de mettre des joueurs bronze vraiment bas pour pouvoir avoir son équipe de titulaire la plus forte possible, malgré le fait qu'on soit limité à 73 de note générale. Ce qui engendre évidemment forcément un petit effet que les joueurs les plus mauvais du jeu sont très chers. Vous voyez, Al-Kuyabi, 5000 crédits, etc. Lui, c'est pareil. Al-Salem, il n'y en a même plus, il n'y en a plus qu'un seul, il est à 5000 crédits, ce qui entraîne forcément ben, les joueurs quand ils vont ouvrir des packs bronze ou qu'ils ont des joueurs à vendre, ils vont pas se rendre compte forcément que ces joueurs sont aussi mauvais et que ben, pour eux ils vont les mettre en vente rapide de temps en temps. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous mettre par exemple là et d'actualiser pour essayer de choper les joueurs. Faut choper au-dessous de 50, hein. Donc 53 c'est limite, mais ça pourrait presque s'acheter, mais vraiment au-dessous de 50, et essayer de trouver des joueurs vraiment. Alors là je me suis mis sur l'Arabie Saoudite, mais je peux faire plein d'autres joueurs, hein. La liste, je vous la mets là, hop. Voilà la liste de joueurs. Je pense qu'il faut vraiment essayer de cibler là, vraiment jusqu'à lundi matin, vous allez pouvoir faire de l'achat-revente avec ces joueurs-là. C'est plutôt simple, hein. Il suffit juste d'essayer d'en choper au prix le plus bas, et après vous les mettez entre 4000 et 5000 crédits. Alors évidemment, vous n'allez pas tous réussir à les vendre. N'achetez pas au-dessus de 500 crédits. Moi, c'est mon conseil, hein. Vous achetez pas au-dessus de 500, et tous les joueurs que vous achetez, vous les remettez à 4000 crédits. Là, je viens juste de commencer, j'ai pas encore de vente, je crois. Je viens de commencer, mais j'en ai fait pas mal. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mes mauvais joueurs, ils sont où? Alors, j'ai essayé une autre technique là, c'est pas celle-là. Alors, mes mauvais joueurs, où ils sont? Ils sont là. Vous voyez, 4007, 4004, 4006, 4003. Vous voyez, des joueurs pas bons, 46, 47. Et je suis certain que pendant la nuit, parce que là, ça sert à rien de les mettre une heure. Vous les mettez en vente pendant la nuit ou pendant une journée ou même pendant les 2 jours. Hein. Vous mettez pendant les 3 jours qu'il va y avoir, vous les mettez à ces prix-là. Et je suis certain que vous allez en vendre un maximum. Si on regarde les prix auxquels j'ai acheté, alors lui, 1007, un peu cher. 2100, trop cher. 3100, trop cher. 1500, 950, 4400. Donc là, 5000, ça va pas faire un gros gros bénéf. Celui-là, seulement 1000, 250, 150. Donc si j'arrive à les revendre, ceux-là, là, c'était moi le premier détenteur. Donc c'est normal. Là, acheter pour 150, si j'arrive à le revendre 4000, ça va faire vraiment beaucoup de crédit. Donc vraiment, je vous conseille de vous mettre sur ce type de joueur-là. Alors là, il y a évidemment tous les joueurs d'Arabie Saoudite. Ils font partie, si je remets l'image, hop, vous allez voir, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 joueurs d'Arabie Saoudite. C'est pour ça que je vous conseille de cibler les joueurs d'Arabie Saoudite, parce qu'il y en a quand même 11 qui vont être au-dessous de 50, et c'est ceux-là, c'est ces joueurs-là qu'on va essayer d'acheter pour les revendre. Donc en gros, vous achetez au-dessous de 500 et vous revendez entre 4000 et 5000, et vous faites ça en permanence sur des joueurs qui sont entre le plus bas c'est 40, hein. C'est Zemlo et 48. Dépassez pas le 48, je pense que c'est possible de faire pas mal d'achats-reventes avec ces joueurs-là et de trouver vraiment des super occasions, que ce soit en enchères. Je crois que j'en ai mis dans mes enchères là. Il y a quelques joueurs qui vont finir dans pas très longtemps. Alors celui-là, voilà, dans 33 minutes à 200, j'espère pouvoir le remporter. Il a combien de notes? Il a 47, hein, je crois, lui. Hop, non, 49. 49, vous voyez, c'est à peu près limite, hein. Même moi, je suis en train de fignoler, mais je pense vraiment que vous dépassez pas les 48, vous achetez pas au plus de 500 et vous remettez à 4000, à peu près entre 4000 et 5000. Plus le joueur est bas, donc 40, entre 40 et 45, vous mettez entre 40, 4500 et 5000. Plus le joueur est entre 45 et 48, plus vous allez le rapprocher de 4000 à 4000, entre 4500 et 4000. Je pense que ça peut être une technique qui apporte pas mal de crédit. Ce que je vais faire, c'est que dans la prochaine vidéo d'achat-revente la quotidienne, je vous montrerai tous les joueurs que j'ai réussi à vendre avec cette technique-là pour vous montrer. Mais vraiment, pendant ce week-end, donnez-vous à fond là sur les mauvais joueurs. C'est une nouvelle technique, hein, c'est une technique mauvais joueur. Faut profiter du fait que tout le monde va avoir envie de faire la community Clash, qui rapporte quand même 15 000 crédits et un pack joueur hors
rares. Et donc autant en profiter parce que tout le monde essaye d'acheter ses joueurs les plus mauvais pour pouvoir avoir l'équipe la plus compétitive malgré le fait que ça soit limité à 3,5 étoiles, donc à 73 de note générale. Donnez-vous à fond, essayez de cibler l'Arabie Saoudite. Je vous dis 11 joueurs au-dessous de 48, c'est ceux-là où vous allez faire un maximum de bénéfices. Et je pense que vous allez gagner beaucoup, beaucoup de crédit parce que si vous achetez un joueur 300 ou 400 et que vous revendez 4000, évidemment, ça commence à faire pas mal de crédits bénéfices sur des joueurs aussi peu et ça vous permet de remplir votre liste de à 100 de façon assez énorme. J'espère que cette vidéo sur les mauvais joueurs vous aura plu et en tout cas que cette technique va vous aider à faire pas mal de crédits jusqu'à lundi. Je vous dis à bientôt, c'était Robert 87000.